Très bien poussé encore par la défense de Standard qui va se dégager cette fois-ci pour trouver personne. Personne cette fois-ci. Là, on sent aussi que les deux formations sont en train de se rechercher. Rapidement, on va voir avec le numéro 5 de la formation de Standard de Lemba qui va chercher, c'est Bangando. Rapidement récupéré. Attention, le portier de l'équipe de Standard, Massamba Moussoso, qui va jouer calmement, qui va essayer de permettre à la défense de Standard de jouer calmement. Oh là là, oh quel bruit pour la formation de Standard de l'Imbattation pour ce centre. Corner. Corner lançant. La défense de Standard jouer avec le fait. Oui, hein, Mweka se réveille petit à petit. C'est-à-dire, Mweka, en se réveillant, Mweka procède par des contre-attaques du côté droit. Bon, je pense que la défense des Standards aussi doit être très éveillée et pour enrayer toutes les occasions. Attention, on joue la 29e minute, c'est bien fait. Oh là là, là on sent que Mweka a des phases de jeu, c'est bien préparé à l'entraînement. Les entraîneurs sont en train de faire du bon boulot cette fois-ci. On sent que les formations sont vraiment là. L'entraîneur Bonheur, l'entraîneur Lou Sadissou, Guy Yamouchebe, un ancien de Manier Maïgnon, qui aux commandes de cette formation de Mweka. Oui, il est à sa première saison. Je reviens sur la frappe de Mandiku plutôt, qui est un ancien du FC MK. Donc c'est un joueur qui est en train de stabiliser le milieu du terrain de Mweka. Voyons voir ce que ça va donner jusqu'à la fin de cette rencontre. Nous rappelons l'expérience de Guy Loussadissou, un ancien de Manier Maïgnon, un ancien international congolais qui a évolué au sein de la Vita Club de Kinshasa, pourquoi pas le TP Mazembe. On espère bien qu'il va ramener son expérience avec le jeune de la formation de Mweka. Oui, depuis son arrivée, comme je le disais, depuis son arrivée, il a essayé de mettre son impact en termes de jeu. Vous verrez que Mweka de la saison passée et Mweka de cette saison, par rapport à la circulation du ballon, par rapport au système de jeu, vous voyez qu'il y a une petite stabilisation, malgré que nous sommes encore au début du championnat pour juger son apport est positif ou négatif. C'est bien joué avec le numéro 8. Oh là là, geste de trop encore pour la formation de Standard de Lemba. Geste de trop qui va rapidement bénéficier à la formation de Mweka. Bien joué pour la défense de Mweka qui sauve rapidement. C'est pas fini. La défense de Standard de Lemba qui va sortir proprement. Il faut pas jouer avec le fait. Il faut pas jouer avec le fait. Très bien fait. Dégagement. Calmé avec le capitaine de la formation de Standard qui va rapidement jouer. C'est face de G qui va permettre à la formation de Standard d'aller en avant. Oh là là, l'assistant va signaler faute en faveur de l'équipe de Standard de Lemba. L'assistant Lokofo qui signale faute pour la formation de Standard. Bakado qui va tirer cette fois-ci pour la formation de Standard. Nous allons suivre. Bien signalé par l'assistant 2 qui signale. Rapidement joué par Mweka. Avec Boufafa. Encore toujours la défense de Mweka. Là, on sent la maîtrise, Emmanuel, on sent la maîtrise dans la ligne de l'équipe de Mweka. Oui, hein, y a des défenseurs qui sont expérimentés là-bas. Vous verrez, il y a par exemple Malio Bola et puis les autres. Donc, c'est une défense qui a de la maîtrise. Bon, ce n'est que le début de la rencontre. Il faut voir comment. C'est pas fini. La formation de Mweka en commande encore cette fois-ci. Faute signal. Non, c'est pas fini. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec la formation de Mweka? Rapidement contre-attaque avec la formation de Standard qui reprend les choses en main. Vous l'avez toujours aux commandes. Oh là là, geste de trop. Le portier va rapidement récupérer.
qu'est-ce qui s'est passé, Manuel, avec la formation de Mweka? Vous remarquez que c'est un problème de l'emplacement des joueurs. Donc, tous les trois joueurs se précipitaient d'aller vers les ballons, alors que l'autre pouvait se décaler pour permettre en sorte que lorsqu'il y a raté, récupéré, non, voilà, tous ils étaient pressés. Ce n'est que normal que les ballons puissent les passer. C'est pas fini. Mweka qui va reprendre encore cette fois-ci. Rapidement joué. La défense de Mweka encore très bien jouée. Avec plus d'expérience, on sent que Mweka reprend de plus en plus les commandes de cette match. Oui, c'est ça, c'est qu'on appelle les temps forts et les temps faibles. Il faut en profiter. Lorsque vous êtes dans un moment de votre temps fort, il faut en profiter, chercher à marquer pour que lors de votre temps faible, vous ne puissiez pas subir beaucoup du poids du niveau de la. Là, on sent qu'Emmanuel s'adresse directement à l'entraîneur. Guy Loussa Dissou de FC Mweka qui doit rappeler sa troupe à l'ordre et bien gérer le temps fort de cette formation. Le coach Guy Loussa Dissou Mouchebe doit rappeler ses joueurs, crier sur eux, crier beaucoup sur eux pour qu'ils puissent maîtriser leur moment fort pour ne pas pleurer après comme c'était de leur premier match contre l'AC Normand où dans leur moment fort, ils ont raté un penalty et puis Normand est venu jusqu'à la fin pour marquer aussi. Nous espérons bien que les erreurs vont passer rapidement. Formation de Mweka d'avancer, c'est pas fini. Il est là encore, lui c'est le numéro 10, Tsongo Henry. Henry qui n'est pas aussi dans son match cette fois-ci, Emmanuel. Vous avez parlé de l'expérience de cette joueur au sein de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Non, je ne peux pas dire qu'il n'est pas dans son match. C'est juste que la tactique ou bien l'animation des jeux, peut-être il n'a pas encore compris. Ou bien soit il est trop pressé. Il doit être calme. C'est pas fini. Non. L'arbitre ne signale rien, nous rappelons que c'est le match qui oppose la formation de Standard de Lemba face à la formation de Mweka. Un derby de la commune de Lemba, 35e minute de jeu, 0 but partout entre les deux formations qui continuent juste là à se rechercher, pourquoi pas trouver une première victoire pour ces deux formations. On rappelle encore le score de la première journée avec Emmanuel qui est membre de la commission de presse de l'EPFKIN. Oui, lors de la première journée, le FC Mweka avait perdu par 1-0 devant Normand. Et puis, Standard de Lemba a fait jeu égal de 1 but partout avec le FC System. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est pas fini. Oh, rapidement joué. C'est avec lui. Henry encore, il va dribbler. Il est passé. Facilement joué pour le portier de l'équipe de Standard, Massamba Moussoso, qui interpose et qui sauve encore le meuble pour la formation des Standards, Emmanuel. Il devait jouer avec les autres. Il a déjà dribblé deux joueurs. Le mieux à faire, c'était de fixer son attaquant de pointe. Mais malheureusement, son centre était un peu un tir moche, si je peux dire ainsi. Il doit mettre de la puissance. Il doit mettre plus de la force pour inquiéter ses gardiens qui n'est pas aussi mauvais du FC Standard. La réponse qui tarde à arriver du côté de la formation de Standard de Lemba qui laisse encore cette fois-ci la formation de Mweka de se créer plus des occasions. On espère que la réponse va rapidement arriver. Là, rapidement, la défense qui se repositionne aussi, qui permet à cette formation de Mweka de sortir proprement et puis sans déchet. Il est là encore, Henry. C'est lui le meneur du jeu pour cette formation de Mweka qui va chercher cette fois-ci. Il est encore là. Oh là là, que c'est très mal joué par Henry. Faute signalée par l'arbitre central de ces matchs. Eyale Bateko, l'arbitre central. La défense de Mweka rapidement jouée. Dégagement. Avec le numéro 9 de l'équipe de Standard. Masuku. Lançant la pression de l'équipe de Mweka. Pourquoi pas qu'il va se retourner en contre-attaque. C'est pas fini. Oh là là. Encore la formation de Mweka. Ils sont là. Geste de trop. Facilement. La formation des Standards qui va bénéficier d'un 5,50 m et dégager calmement.
Il faut signaler que trois rencontres ont eu lieu déjà pour cette deuxième journée. L'Olympique Club Les Élites a battu l'FC System par 1-0 et les Tout-Puissants Les Croyants est tombé devant F. Ange Vert par 1-2. Tous ces deux matchs se sont joués ici au terrain Oudjana et puis au terrain Pense de Lemba. La SPJSK a été battue par l'FC Aigle Royal par 1-0. Le protégé des Papi Tamba qui trouve du mal pour se relancer, des sorties, des défaites, c'est très difficile pour TP Les Croyants. Oui, j'ai comme l'impression que les années passent, les saisons passent et les saisons, la situation, bien les situations se ressemblent. Hein. C'est presque la même situation par rapport à la saison passée pour cette équipe du Tout-Puissant Les Croyants qui a eu du mal à obtenir son maintien s'ils n'avaient pas gagné leur dernier match face à Mboudi par un score fleuve. Hein. 12-0 qui a permis à ce que cette équipe puisse exister aujourd'hui au niveau de l'EPFK. Alors, on espère qu'ils vont rapidement corriger les erreurs de la saison passée. Cette fois-ci, pour bien jouer le maintien ou encore le titre, c'est pas encore fini. Nous jouons encore la deuxième journée pour le compte de l'entente provinciale de football de Kinshasa, l'EPFK, qui retrouve encore le chemin de sa visibilité à travers Face Télévision, la chaîne de votre choix. Calmement. La formation de Mweka qui va repartir avec le portier Massamba qui va trouver rapidement Tichik qui va essayer de trouver cette fois-ci Boufafa mais sorti en touche pour la formation de Standard qui va bénéficier d'un contre-attaque très bien négocié par la formation avec le capitaine. Personne. Oh là là. Orger, signalé par l'assistant 2. Signalons qu'au terrain PNC de Lemba, Normand vient d'ouvrir le score devant l'UFC Farmago. Donc 1-0 en faveur de Normand. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore avec la formation de Bandalungwa, le FC Farmago, l'équipe chère à Idriss Denewade. Là on voit qu'avec la chaleur, l'arbitre va demander aux joueurs. C'est une pause de fraîcheur. Hein. C'est normal. Avec la chaleur, il faut comprendre qu'avec la chaleur, c'est très compliqué. Pendant ce temps, nous, on va laisser à Emmanuel de nous donner et encore de nous rappeler les résultats de la journée d'hier. Comme ça, pour permettre aux fidèles téléspectateurs de Face Télévision d'être à la page de l'actualité et aussi d'être à la page de résultats de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Donc hier, sur 8 matchs, on a 7 matchs ont eu lieu. Au terrain Oudjana, l'AC Oudjana a perdu, bien est tombé pour sa première fois devant les Racing Club Bumbu 0-1. Et les As a été battu par l'AC Monzo par 2-3. Les FC Pioui et les FC Fonac ont fait G égal 0-0. Et FC New Cano a battu l'AC Kratos par 2-0. L'Interclub Kalamu et Kito Sport FC ont fait G égal 1-0. Et puis AJ Vainqueur a été battu par l'FC Saint-Christian par 1-2. Et Sefrobel et les FC Roby ont fait G égal 1-0. Signalons que les matchs qui devaient opposer l'Athletic Club Lega au FC Balex n'a pas eu lieu. Balex a perdu encore pour la deuxième fois par forfait suite aux démarches administratives qui n'ont pas encore été abouties jusqu'à cet instant. Qu'est dit le règlement de la compétition après 3 forfaits pour cette formation? Normalement, après 3 forfaits, l'équipe devrait être exclu de la compétition. Nous espérons que la formation va trouver rapidement la solution et continuer avec nous en la nouvelle saison qui se lance déjà au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. La défense des Standards qui rapidement va se dégager. Faute signale l'arbitre. Surcharge du numéro 9 de l'équipe de Standard, Masuku, sur la défense de FC Mweka. Toujours la formation de Mweka aux commandes. C'est pas fini. Très mal joué. Pendant ce temps, le capitaine de Mweka qui va permettre à son équipe
sortir des touches. Matouba Bouila, le capitaine de la formation de Standard. Si c'est un joueur à suivre de près, Emmanuel. Oui, hein, c'est un joueur. Mais on va suivre cette action avec la formation de Mouéka. C'est le numéro 10. On parle de lui. Henri, il est là. Oh là là. Faute signalée par l'arbitre. Oui, je parlais, Emmanuel. Le numéro 8, le capitaine de la formation de Standard de Lemba. C'est un joueur qu'il faut suivre cette saison. Oui, hein, c'est un joueur qu'il faut suivre cette saison. Il est pétri de talent, donc il n'est pas le seul, il y a plusieurs éléments à suivre qui sont sur cette pelouse, bien sûr, qui participent dans ce championnat de l'EPFKIL. Vraiment, ça c'est bien, c'est pas fini, la pression de Mouéka. On va voir la suite, encore 5 minutes de jeu. Emmanuel, il faut comprendre, avec la chaleur, on sent la pression diminuer. Oui, oui, il fait tellement chaud. C'est-à-dire, lorsque vous poussez beaucoup, au fur et à mesure que vous absorbez la force de la chaleur, donc les rythmes des jeux risquent de baisser. Faute signalée par l'arbitre central pour la formation de Standard de Lemba. Nous attendons l'ouverture du score ici au terrain Oudjana. Rapidement joué. L'arbitre qui rappelle à l'ordre. Orgé signalé. C'est pas fini. La formation de Mouéka avec Henri, il est là. Il va essayer de dribbler. Qu'est-ce qui est bien fait? Très bien joué aussi de la part de la défense de la formation de Standard de Lemba. Qui sont là pour répondre présente aux actions menées par Henri. C'est l'homme du match pour la première partie de ces phases de jeu pour la formation de Mouéka. J'espère que les défenseurs du FC Standard ont compris. Il faut les surveiller avec deux défenseurs parce que c'est lui qui est comme la plaque tournante de l'attaque du FC Mouéka. Donc, il est surveillé de près. Moindre action, deux défenseurs qui se précipitent vers lui. Donc, il doit aussi être soutenu par ses coéquipiers pour ne pas perdre beaucoup de ballons. Tout passe par lui. C'est lui l'homme de la situation. Henri, on espère bien que c'est par Henri que la situation ou l'ouverture du score pour la formation de Mouéka. Sangui Henri, mais rapidement, le numéro 12, Boufafa. Boufafa qui va bien jouer cette fois-ci avec de petites passes. Henri, Boufafa, cette fois-ci encore, centre, c'est pas fini. Oh, c'est l'ouverture du score. Mais Orgé signale à l'arbitre. Oh là là, nous étions presque à l'ouverture du score. Ok, c'est bien fait. Mido Lousayadio. Mido Lousayadio qui était pas très loin de l'ouverture du score. Oui, hein, il n'était pas loin de l'ouverture du score, malheureusement. Nous allons suivre ça en ralenti avec Kondé. Il était dans une position litigieuse qui n'a pas permis au FC Mouéka de prendre de l'avantage au score. Merci à la réalisation au Mido qui n'était pas très loin de l'ouverture du score. Mais l'assistant 1 était bien là pour voir le positionnement de Mido. Manoki, c'est l'assistant 1. Là, on sent que la formation de Mouéka n'est pas très loin de l'ouverture du score. Oui, Mouéka n'était pas très loin
de l'ouverture du score. Comme je disais, tantôt, Mweka est dans sa phase, bien dans sa phase, on peut dire les moments forts. Donc, il faut en profiter pour marquer, parce que dans un match de football, vous avez deux types de moments. Il y a les moments faibles et les moments forts. Quand vous êtes dans votre moment fort, il faut en profiter pour marquer, sinon vous allez les regretter lors du verdict final. L'attaque de la formation de Mweka qui a hésité, ce qui va permettre au portier de Standard de Lemba, Lupago, de bien dégager. On attend la fin de la première période ici au terrain GD pendant ce temps. La formation de Mweka qui passe avec deux faces de jeu. C'est bien joué, c'est pas fini. Oh là là. Là on sent aussi la précipitation s'installer du camp. De côté de la formation de Mweka. Oui, hein, il y a trop de précipitations. Il y a trop de précipitations qui ne permettent pas à Mweka de bien agencer ses occasions, de bien aboutir toutes ces occasions. Donc, il faut jouer très à l'aise, il faut jouer très calme. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mweka ne manquera pas de marquer si les sérieux et les calmes sont bien appliqués. Merci, ça c'est Emmanuel, il est membre de la commission de presse de l'entente provinciale de football de Kinshasa. C'est avec lui que nous avons des biscuits comme ça, des petites infos concernant la nouvelle édition de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Pendant ces temps, il y a un joueur de Standard de Lemba qui est resté au sol et l'arbitre avance pour avoir de ses nouvelles. Ok, c'est bien fait. Nous sommes en train de vivre les spectacles énormes avec le championnat de l'EPFKIN. Rapidement joué, touche pour la formation des Standards. Bofenda Ilanga qui a permis à la formation des Standards. Calmement pour le portier Massamba de Mweka de dégager la formation. Rentrée des touches pour la formation de Mweka. La formation des Standards qui sort, qui empêche Mweka à progresser. Bien joué pour Mweka. C'est pas fini encore la formation de Mweka. Mweka qui est en train de dominer. La fin de la première période, ici au terrain Oudjana. Lançons la formation des Standards. Oh là là, faute. Emmanuel, la formation de Mweka qui est en train de dominer. Oui, hein, la formation de Mweka qui est en train de dominer. Ça fait depuis si on peut dire, la 20e minute que Mweka a pris de l'ascendance sur l'EC Standard de Lemba. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, c'est la première partie. Donc, attendons voir. Hein, cette domination ne doit pas rester stérile. Hein, la plus belle manière de dominer, c'est de marquer. Même si vous dominez, si vous ne marquez pas, donc ça ne sert à rien de dominer. Donc, il faut en profiter pour marquer les buts. Bofafa, pourquoi pas pour l'ouverture du score. Pendant ce temps, l'arbitre est allé. Rappel à l'ordre. Bofafa qui va dégager, il joue avec Henri. Crochet, il va passer. Il est formidable ce joueur. Corner. Rapidement, la formation de Mweka qui va jouer à deux. Non. C'est Bofafa qui va encore cette fois-ci en bénéficier. Changement du côté de la formation de Standard de Lemba. Les numéros 11 qui va laisser le terrain. Matumona Samuel qui va être remplacé par Misitu. Centre pour la formation de Mweka. Oh, encore bien dégagé par le portier
La main ferme sauve la formation des Mouka, c'est pas fini. C'est l'ouverture du score. Djidjo Gabonito. Maliobola, le capitaine Amadou. C'est le capitaine de la formation des Mouka. Maliobola. Que c'est bien. C'est la magie du football. Donc il a joué. Djidjo Gabonito. Il a usé de son intelligence. Il a fait une tête du côté opposé hein, où les gardiens ont suivi. Donc c'est un bon but, une belle action, une belle combinaison entre Benico et Henry qui ont fait une belle combinaison. Voilà, comme je disais, une domination qui doit être payée par un but marqué. Voilà, c'est ça la plus belle manière de dominer. Maliobola qui permet à la formation de Mouéka de mener dans ce derby de la commune de Lemba. On va revoir ça au ralenti avec la réalisation. Qu'il était seul sur la magie du football. Djidjo Gabonito. Qu'est-ce qui s'est bien fait de la part de Bola Malio qui permet à Mouéka de prendre l'avantage sur la formation de Standard de Lemba. C'est la magie du football. Les efforts ont payé, Emmanuel. Oui, hein, les efforts ont payé. En plus, une équipe de Mouéka qui a fait une belle pré-saison, une belle préparation. Et puis, il y a des expérimentés, des joueurs qui ont joué à Rangers. Il y a le cas de Benico, c'est lui qui a fait la combinaison avec Henry. Il y a aussi le numéro 17 qui vient du FCMK. Donc, c'est une équipe bien costaud, bien garnie, qui ne fait que dominer son adversaire. Là, on sent l'expérience paye au sein de la formation des Mouéka. Tout commence par son banc de touche avec un entraîneur très expérimenté, Guy Loussadissou, ancien de Manier Maïgnon, ancien joueur de l'SV Club de Kinshasa, du Corbeau de Lubumbashi. Oh là là, qu'est-ce qui est bien fait? Rapidement, la défense des Mouéka qui va se dégager. C'est pas fini avec le numéro 8 de cette formation. De face DG. Attention avec la formation. L'entraîneur de la formation des Standards a compris. Le banc de touche est debout. C'est pas fini. Standard qui va sortir proprement. Bien fait, attention, faute pour la formation de Standard de Lemba qui va bénéficier grâce à Bangado qui permet à la formation des Mouéka, pourquoi pas la réponse ou encore la révolte, Emmanuel. Oui, hein, pourquoi pas la réponse ou la révolte comme vous l'aviez dit. Donc je pense que Standard doit se réveiller, l'FC Standard doit se réveiller, ou soit doit éviter, bien maîtriser Mouéka jusqu'à la pause et éviter de prendre beaucoup de buts puisque ça risque d'être catastrophique pour cette équipe. Encore quelques minutes à jouer avant la fin de la première période ici au terrain Oudjana. La formation des Mouéka qui est en train de mener grâce notamment à son numéro 5, le capitaine Maliobola, qui a permis l'ouverture du score pour la formation des Mouéka dans ces derbies de la commune de Lemba. Pourquoi pas la réponse avec la formation de Standard de Lemba. Rapidement, la défense qui va se dégager. L'arbitre qui signale rien du tout. Et il y a les Bateko, l'arbitre central. Henri, oh là là, là on sent aussi de la fragilité au sein de l'équipe de Mouéka, Emmanuel. Oui, hein, il y a. C'est ça le caractère de nos certains joueurs. Puisqu'ils ont marqué, donc ils pensent que c'est fini, on peut jouer comme on veut, alors que le match est encore à la première mi-temps, donc il y a encore beaucoup de temps, donc il faut serrer, il faut jouer avec sérieux, il faut savoir aussi conserver les scores. Le football c'est 90 minutes, il faut se battre jusqu'à la fin, c'est pas fini, le numéro 13 de la formation des Standards qui dégage,
Mweka, c'est pas fini. Standard qui va profiter. C'est bien fait. Il est là. Oh là là. Qu'il était tout prêt pour une réponse. Pourquoi pas l'égalisation pour la formation de Standard de Lemba. Le portier Massamba qui s'efface face à ses coéquipiers qui ne devaient pas laisser des espaces à la formation de Standard de Lemba. Oui, hein, c'est ça être un gardien autoritaire. Lorsqu'il y a des déchets techniques au sein de votre formation, il faut crier pour que ça ne puisse plus se répéter. La formation des Standards qui cherche à égaliser avant la fin de la mi-temps. L'arbitre qui est en train de revoir son chrono, c'est pour bientôt. On signale qu'il y a une minute de temps additionnel montré par l'arbitre protocolaire. L'arbitre protocolaire Yombo qui signale une minute de temps additionnel. Mais pendant ce temps, la formation des Mweka. Oh là là, hors-jeu. Position litigieuse pour la formation de Standard de Lemba. 55 secondes à jouer encore pour la formation des Mweka de tenir et à la formation des Standards de Lemba de chercher l'égalisation. Mweka aux commandes qui vont jouer avec des petites passes. Centre pour personne. Surcharge sur la défense de Standard. Kitoko Landou qui à son tour surcharge la défense des Mweka. C'est la mi-temps signalée ici au terrain Oudjana par l'arbitre Eyalé Bateko, l'arbitre central qui va demander aux deux équipes de prendre 15 minutes de repos. Question pour la formation des Mweka de bien se reposer et à la formation de Standard de Lemba de revoir les tirs Emmanuel. Oui, hein, c'est un score logique au vu du niveau de jeu produit par les Mweka qui était un peu au-dessus par rapport au nombre d'actions créées et par rapport à la circulation du ballon sur le terrain. Donc, 1-0, c'est un score logique. Malgré qu'on pouvait avoir aussi beaucoup de buts en faveur du FC Mweka. Mais ce n'est qu'une première partie. Alors nous attendons voir ce que ça va être lors de la deuxième partie. Si les deux équipes viennent avec les mêmes ambitions, je crois qu'on va se régaler ici. On verra beaucoup de buts. Vous êtes en direct de Face Télévision, la chaîne de votre choix. Pendant ce temps, nous allons retourner du côté de la réalisation pour avoir ces billes. Oh, c'est génie qui a permis l'ouverture du score de la formation des Mweka face à Standard de Lemba. Malio Bola, c'est lui l'inhibiteur. On va revoir son ralenti. Oh là là, c'est la magie du football. Didjo Gabonito, Malio Bola qui a permis l'ouverture du score à la formation des Mweka. Merci beaucoup à Kondé qui nous a permis de revoir encore. C'est génie de Bola qui a permis l'ouverture, Emmanuel. Oui, hein, c'était un but où Malio Bola a utilisé beaucoup d'intelligence. Il a fait une tête du côté opposé où passaient les gardiens. Donc, c'est difficile de voir au championnat de la Philippines des défenseurs tels Malio Bola avec cette intelligence. Je pense qu'il avait bien joué, il a bien fait comme choix. Voilà, 1-0 en faveur de Mweka. C'est un score, comme j'ai dit, un résultat, bien un score logique. En faveur du FC Mweka. On va revoir encore ces génies. Ces génies, nous allons encore le revoir beaucoup du temps comme ça. Ces génies de Bola qui a permis l'ouverture du score ici au terrain Oudjana. Bola, le capitaine de Mweka, un bon leader qui permet l'ouverture du score. C'est par ce ralenti que nous allons remettre l'antenne à Idriss Deniwade. Question pour nous et Emmanuel de prendre également la pause. Studio Bandal. On vous l'antenne.
réellement encore pour la formation de Mweka. Bien joué. Oh là là, faute signale à l'arbitre. Et allez, Bateko sur la formation de Standard. Ça sent l'expérience d'un vous là avec la récupération de son ballon. Il a voulu percer et il a été tiré. Vraiment, il va répondre. Oui, le buteur, Malio Bola, qui va donner son numéro 3. Et la défense de Mweka qui dégage en précipitation. Et c'est pas fini. L'équipe de Mweka aux commandes toujours. Dégagement. Bien joué avec plus d'expérience. De trop. Faute sur le buteur. Malio Bola. Ça sent la maîtrise, hein? La maîtrise de Malio Bola qui est impeccable cet après-midi. Signalons que Malio Bola a joué aussi au sein des U17 des Léopards de la RDC. Donc je pense que c'est un joueur qui est en pleine progression avec l'FC Mweka. Et nous espérons rapidement, il va aussi rejoindre la tanière avec le U23 qui sont déjà du côté du coureur Pova. Pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique U23 avant de jouer l'Algérie le 23 et le 29. Le 23 au stade de Martyrs de Kinshasa et le 29 en Algérie. Dégagement avec l'équipe de Standard de Lemba. Orgé signalé par l'assistant 1 pour la formation. De Standard de Lemba. Bofenda Ilanga. Signalé hors jeu. Rapidement. Léger continue avec la formation des Mweka. Bien joué avec Henri. Qui va chercher. Encore une fois. Faute signalée par l'arbitre. Sur le meilleur joueur de l'équipe des Mweka. Emmanuel a signalé Issoki Henry, c'est un joueur qu'il faut suivre de près. C'est un joueur qu'il faut suivre de près. Il a fait ses merveilles lors de la saison passée au championnat des ententes urbaines de football avec les RC Lemba. Donc, les FC Mweka, pour l'avoir, ce n'était pas facile pour conquérir ces joueurs. Donc, Henry, c'est un joueur à surveiller jusqu'à la fin de ces championnats. Attention, Orgé signalé par l'assistant de Henri qui va faire preuve de maturité à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Il ne faut pas faire regretter à la formation de Mweka les dépenses réalisées pour récupérer Henri pendant ce temps. La formation de Mweka qui sort proprement comme ça. Oh là là, il a glissé. Henri, il est là. Henri, non, non, il coule comme ça au sol. Pendant ce temps, l'arbitre va voir. Et puis, voir les nouvelles du joueur de la formation de Mweka. Emmanuel, est-ce qu'il y a du changement du côté de la commune de Lemba au terrain Pente? Est-ce que les choses ont évolué avec le score? Non, les scores restent inchangés. Hein, restent inchangés. Là, c'est Normand est en train de mener devant Farmagro par 1-0. Et signalons aussi qu'après cette rencontre, on va vivre un autre derby. Hein, un autre derby, même si ce n'est pas un derby de Lemba, mais un derby lointain entre l'AS Mboudi face à l'AC Kayolo. Des grands cadors du championnat de l'EPFKIN. Donc, c'est une journée qui est remplie, qui est riche en termes de derby. AS Mboudi de la commune de Ngaliema, le AC Kayolo de la commune de Kassavubu. Match à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Face Télévision. Attention, la défense de Mweka qui se dégage encore une fois. Signalé hors jeu, les numéros 9 de la formation de Standard de Lemba, Mansoukou, signalé encore hors jeu. Là, vous êtes en train de voir
De l'autre côté du terrain, l'entrée de la formation de Mweka. Match à suivre en direct et en exclusivité sur la formation, sur les antennes de France Télévisions avec Junior Dinanga et John Bouy au commentaire de ces matchs. Pendant ce temps, trois changements signalés pour la formation de Standard de Lemba. L'entraîneur ne joue pas, il est obligé de chercher le résultat. Le numéro 14 qui prend la place du numéro 10, Bofenda Ilanga, qui est remplacé par Kaninda Toko. On espère bien que l'entraîneur a bien fait ses choix et ça va permettre à l'équipe de Standard de Lemba de retrouver le chemin du filet. Oui, oui, donc il a vite compris qu'il faut avoir un milieu de terrain compact et une attaque qui produit avec une défense qui sait garder, bien garder ses gardes. Donc je pense qu'il a vite compris et il a transité vers un système qui veut être beaucoup plus poussif pour aller chercher ses buts égalisateurs et pourquoi pas chercher les buts victorieux. Le ballon toujours avec la formation de Mweka. Qui va avec son portier calmement, très bien joué juste là, quelle phase de jeu pour la formation des Mweka qui calme la tension ici sur l'aire de jeu du terrain Oudjana. C'est pas fini, faute, signale encore l'arbitre, non, qui demande de jouer la formation des Standards, non, très bien récupéré par Mweka, encore la formation des Standards. Oh là là, attention avec cette action avec le numéro 5 à la remise. Normalement, avec la précipitation, il devait utiliser son sang-froid. Pourquoi pas réceptionner bien les ballons et fixer les gardiens? Il avait tout le temps, il avait toutes les possibilités, mais il a joué trop vite et voilà, les ballons est allé au-delà des décors. C'est son premier ballon. On va revoir ça au ralenti. Tout s'est bien fait de la part de Mweka. Kanina Toko qui vient juste d'entrer et c'est son premier ballon comme ça. Oh là là, la formation de Mweka qui échappe, la formation de Standard de Lemba, pardon, qui échappe à l'égalisation. Merci à la réalisation. Oh là là, on sent l'égalisation n'est pas très loin pour la formation de Standard de Lemba. Comme je le disais tantôt, avec ces trois changements, donc le coach du FC Standard a vite montré qu'il veut changer, il veut donner un nouveau rythme de jeu. Du côté du FC Mweka, ils doivent aussi comprendre que Standard est venu avec beaucoup plus d'ambition de marquer. Il faut aussi colmater les brèches, éviter ces erreurs et voilà, ça va vous permettre de conserver le score et pourquoi pas marquer le deuxième. On l'espère bien et c'est pas fini. Toujours la formation de Standard aux commandes. Il est là le numéro 8. Il va se juste. Attention, la défense des gars, c'est pas fini. Toujours une autre chance pour la formation de Standard de Lemba. Oh là là, la défense dégage. C'est pas fini. Oh là là, qu'il est en train de rêver. Oh, la formation de Mweka qui a du mal à se dégager. Enfin la formation de Mweka qui se dégage. Ça sent le réveil du côté du FC Standard. Hein. FC Standard est venu dans cette deuxième partie pour jouer et non pour observer, chercher les buts égalisateurs. La formation de Standard de Lemba qui égalise et qui se dégage grâce à Ngafula Makese qui permet enfin à cette formation de Lemba de prendre quelques temps comme ça de repos. Et pendant ces temps, un joueur de Standard de Lemba reste au sol, il a du mal. Et l'arbitre central, Eyalé Bateko, fait appel au staff médical de la formation de Mweka. Il est là, il est accompagné par le staff médical. Le numéro 19. De la formation des Mweka, Kito Kolandou, qui a du mal même à marcher. On espère qu'il n'y a rien de grave pour le numéro 9 de cette formation et qui va être directement remplacé. Deux autres changements se préparent
pour la formation de Mweka. Du mal à se reposer. On le sent. Guilissa Dissou n'a pas de choix. Juste de faire de remplacement. Dégagement de la formation de Mweka. Rapidement récupéré par la formation de Standard de Lemba. Avec le capitaine qui va centrer. Oh là là! Dégagé de justesse par la formation. Et Henri, c'est lui là, le meilleur joueur de l'équipe de Mweka qui va dégager. Mais rapidement encore récupéré par la formation de Standard de Lemba. On sent la fatigue s'installer au sein de la formation. Les Standard de Lemba est pris dos au mur. Donc il faut réagir. Il faut chercher à... Changement. Il faut chercher à... Le numéro 11 qui remplace le numéro 7. Mokwele Ekenda qui prend place pour la formation de Mweka. Et je l'ai déjà annoncé que le numéro 15 de la formation de Mweka remplacé aussi Midolou Zayadio. Oh là là, qu'est-ce bien fait. Mido qui a été remplacé par Exocé Missouri. Missouri. Donc c'était Exocé Missouri qui joue en tant que... C'est pas fini, Emmanuel. On va suivre cette action avec la formation de Mweka. Déjà dans le phase de jeu. Qu'il est en train de rêver. Position litigieuse signalée par l'assistant 1 pour la formation du Standard de Lemba. Il faut signaler que Exocé Missouri qui a remplacé Mido est un ailier, mais coach Guy Lusadissou l'utilise en tant qu'un attaquant de pointe pour prendre encore beaucoup de ballons au niveau de l'attaque, bien de la défense, bien de l'attaque du FC. Attention avec cette action de la formation de Mweka. Il va passer, dégagé par la défense de Mweka. Dégagé par la formation de Standard de Lemba. Et l'équipe de Mweka va continuer avec Henri qui va centrer. Le portier de l'équipe de Standard de Lemba, Lupango Nonda, va rapidement dégager. Et la défense de Mweka en précipitation. Calme pour la défense de Mweka avec le portier Massamba Moussoso qui va donner à son numéro 2. Et la défense de Standard de Lemba qui va se dégager. Mweka toujours aux commandes. Pas pour longtemps. Récupération de la formation de Mweka dans ses derbys de la commis de Lemba. Attention, Midori. Rentrée de touche pour la formation de Mweka. La défense de Standard qui est en train de balloter, Emmanuel. Oui, le FC Standard, après avoir observé un temps très fort. Attention, Emmanuel, avec Henri qui va centrer. Djoko Bonito qui marque. C'est bien joué. 2-0. La formation de Mweka qui prend l'avantage ici au stade, ici au terrain Oudjana. Du complexe, Tata Raphaël Emmanuel, qui se fait bien. Oh, c'est la magie du football. Voilà, c'est ça que je disais lors de la première période. Lorsque vous êtes dans votre moment fort, il faut chercher à marquer. Sinon, l'adversaire va vous surprendre et vous marquer. Voilà ce qui s'est produit. L'FC Standard qui est revenu avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de détermination, avec des actions, mais ça manquait de marquer. Et une seule action pour l'FC Mweka, avec les nouvelles entrants Mukwele. Et voilà, ça fait mouche, 2-0. C'est tout à fait logique pour l'FC Mweka. Missouri Exocé, qui permet à la formation de Mweka de prendre l'avantage. 2-0 ici, au terrain Oudjana du stade. Tata Raphaël. C'est plutôt Mukwele qui a marqué. Attention, c'est pas fini. Mweka qui se dégage.
Mukwele Ekenda. Alors, 59e minute de jeu. Et c'est pas fini. Mukwele Ekenda. Qui permet à cette formation. Qui permet à cette formation. Qui au moins qu'à déprendre l'avantage. 5-0. Emmanuel. Voilà, les derbys, c'est comme ça, un derby, c'est juste. Un derby ne se joue pas, un derby s'égale. Mueka, qui est devant, avec son niveau de jeu, Mueka a été un peu plus lucide. Donc, voilà, c'est tout à fait normal dans ce genre d'occasion. Il faut être réaliste. Lorsque vous avez une occasion, vous avez même deux occasions, c'est normal. Marqué, une fois ou deux fois, ça va vous mettre en sécurité. Il reste encore 30 minutes de jeu comme ça. Et c'est pas fini. Attention. C'est pas fini. 5m50 pour la formation des standards de Lemba. 5m50 pour la formation des standards de Lemba. Nous allons poursuivre ces changements de la formation de Mueka. Le numéro 8 qui va laisser le terrain. Vous la Tichik qui nous rappelle. T'es la Tichik par son style de jeu. On est sur l'homme Thomas. Comme lui, comme Emmanuel Thomas. Emmanuel Thomas remplacé va être Para sous Para. Mandala, Mandala. Dégagement de la formation de Mueka pour le premier buteur, Malio Bola. Et la formation des standards, pourquoi pas, la réduction du score. Bien joué et sagement défendu par la défense de la formation de Mueka. Henri qui va donner pour le numéro 14 qui va essayer de percer. Corner. La neuvième. Pour la formation des Mueka. Emmanuel. Corner pour Mueka. Laissez Mueka qui est à. Il faut pas dire que vous avez déjà gagné. Attention, c'est pas penalty, c'est à l'extérieur. Il allait déjà vers, attention, c'est pas le but de la mort. Formation, des Mueka. Attention, avec cette action, nous allons suivre. Rat sol. 5m50, c'est la formation des standards. Dégagement de la formation des standards de l'EMBA. Rapidement, récupéré par la formation des standards. Dégagement. Des Tassia. Remise en touche. Attention.
attention, la défense de Mouéka qui va se dégager encore, Pas pour longtemps, Standard sous pression, Le public, Ça joue très calme, ça joue avec confiance, ça joue avec l'air standard, ça laisse standard, ça laisse être refroidi.
Tout oh là là, oh là là. Je disais toute la détermination de la deuxième partie de cette année. On sent la fatigue s'installer au sein de la formation des Mueka aussi, qui va en profiter pour gagner quelques minutes, Emmanuel. Alors qu'il devait y croire, il devait y croire parce qu'on a vu dans certaines rencontres des équipes être menées par 2-0, mettre la pression et marquer pourquoi pas 3 buts. Mais j'ai comme si l'impression pour eux, pour l'FC Standard, les matchs sont déjà pliés, l'FC Mouika a déjà gagné. Donc ça joue sans ambition, sans conviction. Donc ça joue vaille que comme ça. Donc ils devaient se réveiller, tenter pourquoi pas réduire les scores. Lorsque vous réduisez les scores, ça va vous donner encore le courage de marquer le deuxième but. Mais voilà, je ne sais pas. Oui, tout est permis dans le football. Les Lyopas l'ont réalisé plusieurs fois, mais on va revenir sur l'heure de jeu avec la formation de Standard de Lemba, calmement et sagement défendue par la formation de Mueka, par le buteur Mwekwela Ekwenda, le deuxième buteur de cette formation de Mueka. Et rapidement joué par Massamba Moussoso, le portier, pour son numéro 2. Dégagement de la formation de Mueka, pas pour longtemps, avec le numéro 74 qui va tirer. Oh là là! Quelle parade! Il était là, tragiquement, pour sauver la formation de Mueka. Justement sauvé. C'est un véritable parade. Donc, comme je le disais, l'FC Standard doit croire. L'FC Standard doit pousser, aller chercher la réduction du score. Ça peut peut-être leur permettre de chercher encore le but égalisateur. La main ferme du portier Massamba Moussoso a encore sauvé le même pour la formation de Mueka dans ses derbys de la commune de Lemba. Et Mueka reste encore dans le match grâce à son portier. Oh là là, le Pefkin sur vos écrans grâce à Face Télévision, la chaîne de votre choix. Signalons que le portier Massamba qui a fait une belle parade, c'est un grand avenir qui va peut-être servir beaucoup de clubs dans les années à venir. Donc souvent il est surnommé Rebo, on le surnomme Rebo. Voilà, c'est un grand, bon, on ne peut pas dire c'est un grand gardien, c'est un gardien qui a du talent. On espère qu'il deviendra grand. On l'espère aussi pour cet portier Massamba Moussoso qui sauve cette fois-ci la formation de Mueka. Et changement pour la formation de Mueka. L'entrée du numéro 4, Kapayi Massoudi, qui entre et la formation de Mueka reste encore à vie. Et je vous rappelle, nous jouons encore la 85e minute de jeu. La 76e minute, mais signale Idriss Denewade. Et pendant ce temps, la formation de Kayolo qui est en train de se réchauffer.
Et je rappelle, match à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Face Télévision entre AC Kayolo et la formation de Mboudi, Junior Dinanga, John Bouilly au commentaire de ces matchs. Et pendant ces temps, nous on reste sur l'heure de jeu. La formation de Mweka qui mène par 2-0. La formation de Standard de Lemba grâce notamment à Malio Bola à la 41e minute de jeu, mais aussi grâce au numéro 11 comme ça, Mukwele Ekwenda à la 59e minute de jeu. Et le match n'est pas encore plié. La formation de Standard de Lemba n'a pas encore dit son mot de la fin. On l'espère qu'il va le réaliser, Manuel. Oui, hein, l'FC Standard n'a pas encore, encore dit son dernier mot. Je pense qu'il faut encore y croire. De l'autre côté, l'FC Mweka doit maîtriser son adversaire, maîtriser aussi son score, conserver son score jusqu'à la fin. Ça va permettre de remettre l'équilibre en termes de points, parce que l'équipe a perdu lors de la première journée. Gagner lors de la deuxième journée, ça va donner encore plus de confiance aux joueurs, au staff technique et... et qui va être désormais placé devant la formation de Standard de Lemba avec 3 points. Et la formation de Standard qui va, pour son compte, rester avec 1 point. Et on espère bien, l'équipe va se rattraper. Nous jouerons encore la deuxième journée, le championnat de l'EPFKIN. Je me le permets de le dire, le meilleur de la RDC. Et c'est pas fini. Avec la formation de Standard de Lemba, la main ferme de Massamba Moussoso, c'est portier qui va rapidement relancer Henri cette fois-ci, oh là là, qui va laisser le ballon et il va donner à son coéquipier. La formation de Mweka fait des jeux, que c'est mal joué. Ils ne se sont pas bien compris avec le rythme de l'action. Ils étaient très pressés, trop vite. Tous les trois voulaient aller dans les carrés gardés par les gardiens du FC Standard. Et une belle action qui a été vendangée. Vraiment, rapidement joué par la formation des Mweka avec le numéro 11, le buteur. Il va continuer, il va percer, pourquoi pas une contre-attaque pour la formation de Mweka. Faute signalée par l'assistant 2. Il s'agit de Lofoko. L'assistant 2 qui signale coup franc en faveur de l'équipe de Mweka sur le numéro 11, le deuxième buteur à la 59e minute de jeu. Mukwele Ekwende qui reste encore au sol. Signalons qu'au terrain PNC de Lemba, l'AC Normand vient de marquer le deuxième but par l'entremise de Lotongo Musenge. Donc c'est désormais 2-0 en faveur de l'AC Normand devant son adversaire du jour, l'FC Formagro. Ça c'est vrai, les choses ont évolué également du côté du terrain PNC de Lemba. On espère prochainement, Face Télévision va vous diffuser le match de Lemba. Mais pendant ce temps, nous on reste au terrain Moudjana du complexe stade Tata Raphaël. On va rester avec ce coup arrêté de la formation de Mweka. Pourquoi pas le troisième but.
Samba, c'est comme on dit, hein, c'est un véritable dernier rempart. Un véritable dernier rempart. Il sauve des occasions franches, il sauve son équipe. Voilà, ce sont des gardiens tels comme ça qui peuvent être portés très haut pour l'avenir de cette équipe d'UFC Mouika. 2-0 ici au terrain Oudjana en faveur de l'équipe de Mouika. Le tout grâce à ses portiers Massamba et c'est pas fini. Oh là là, la formation de Mouika qui rate l'occasion de marquer son troisième but. Pendant ces temps, Mouika reste en vie grâce à Massamba Moussoso, le portier de cette formation. Rapidement joué avec le numéro 18 qui reste au sol et l'arbitre du match signale surcharge et il y a les Bateko, l'arbitre central. Le match va rapidement reprendre avec la défense de Mouika qui joue avec l'expérience et la maturité, Emmanuel. Oui, le FC Mouika joue avec l'expérience et un peu plus de maturité. Il maîtrise bien l'adversaire du jour. Voilà, lorsqu'on a l'objectif de gagner le trophée, il faut se concentrer. Attention de la formation du Standard de l'EMA. Encore ce portier. Il est là, il est présent dans toutes les actions, dans tous les assauts de la formation de Standard de l'EMA. Et rapidement, la formation de Mouika qui va aller de l'avant. Et c'est pas fini. Mouika toujours aux commandes avec le numéro 18 qui va percer. Et c'est bien défendu par la formation de Standard de l'EMA grâce notamment à Boukoula Loubata. Emmanuel, il faut le rappeler que la formation des Mouika qui joue avec plus de confiance cette fois-ci. Oui, hein, c'est plus de confiance. Déjà avec la première défaite contre Alassé Normand, et a compris qu'ils étaient fautifs, les joueurs ont promis aux dirigeants qu'ils allaient faire mieux lors du deuxième match. Et voilà, chose qui est en train d'être faite. Voilà, le FC Mouika est plus en confiance qui est par rapport au FC Standard qui semble perdre toute la maîtrise de la rencontre. C'est pas encore fini. 9 minutes de jeu encore. C'est possible. Le football a ses miracles. La formation de Standard de l'EMA peut toujours faire de miracles. Et pendant ces temps, Oussongui Henry en festival